this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Et bien le bonjour à vous les gens et bienvenue sur la chaîne de Joe, j'espère que vous allez bien les gens, moi ça va très bien aujourd'hui. Et bien on se retrouve sur Contrebande Police, qui est un jeu de simulation tout simplement où on va gérer un avant-poste en fait, dans lequel il y a une frontière et il faut gérer cette frontière. Savoir qui doit rentrer, qui ne doit pas rentrer. Voilà, on est le juge, on a de l'action, on a un peu de tout dedans. Pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, bah, vous allez le découvrir aujourd'hui avec moi. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas tourné de vidéo, mais je me suis dit pourquoi pas ressortir une des vidéos sur Contrebande Police, sachant que je ne l'ai jamais fait sur la chaîne, et avec j'ai quelques heures sur ce jeu-là, je ne sais pas combien d'heures exactement, au total, ouais, j'ai 20 heures de jeu au total, donc j'ai eu le temps de découvrir ce jeu, je l'ai refait deux fois je crois, parce que les parties, fallait s'en souvenir, désolé pour le bruit. Alors, un beau jeu quand même, qui est disponible avec le clavier AZERTY, hein, tout simplement, hein, on va pas se mentir. Alors il y a de l'action, il y a du tir, il y a tout ce qu'il faut. Alors, petite info, entre autres, là, en fait, on est dans le tuto, si on veut dire, c'est la formation, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Ah oui, d'accord, il y a un changement. Alors, le jeu est sorti officiellement il n'y a pas longtemps, hein, sorti de son Early Access, et le nouveau mode est sorti, hein, pour les gens qui connaissent le jeu, j'ai oublié de prévenir, mais il y a un nouveau mode qui est sorti, il s'appelle le mode inspecteur, je crois. C'est un mode sans fin, si vous voulez, c'est pas le mode campagne, il y a une fin et une histoire, cette fois-ci, plus d'histoire, mais sans fin, avec de nombreux défis. Et jeux, enfin des modes de jeu, je veux dire, ajoutés à l'intérieur de ça. Alors on rentre dans le bureau. Ok, on va prendre la petite lampe avec tout ça. Donc je redécouvre le jeu. Alors on fait tab, on regarde les frontières. Donc vérification des documents, alors là c'est vraiment les basiques des basiques, ça c'est quand on ne connaît pas le jeu et quand on se souvient pas forcément des choses. Faut vérifier les noms et les prénoms si ils sont bons sur les deux documents, que ce soit sur une genre de carte grise je crois, sur un permis, sur une assurance, sur un permis de telle chose ou telle chose. Après la date d'expiration évidemment, de voir si elle est encore bonne, c'est bon ça on comprend. Le numéro de passeport s'il correspond bien. Qu'est-ce qu'on va voir, la photo aussi, et ça passe de la logique, ça c'est bon, je m'en souviens. Faites entrer la première voiture. Je vais essayer de me dépêcher quand même pour éviter de traîner sur le tuto, enfin sur la formation on va dire, même si c'est pour me remettre un peu dans le jeu, ça fait un petit bout de temps que j'y ai pas joué. Donc des fois ils peuvent ne pas s'arrêter, hein, ils continuent à rouler et nous on part avec notre petite voiture. Parle trop. Donc en gros, ouais, on va le laisser parler dans le vide. Alors là, on a Lou, machin, et en fait, ils veulent qu'on appuie pour les noms. Alors ça, par contre, ça utilise des niveaux de je ne sais quoi. Ok. Entre autres, vous avez ce truc-là qui vous a montré à l'instant où en fait on clique là et là pour vérifier, c'est-à-dire que ça nous évite de lire, de vérifier chaque lettre, mais au final, bah, c'est un peu trop facile et puis ça utilise quelque chose. Donc là, c'est le rapport, c'est pour voir si tout va bien, donc ça c'était bon. Le numéro de passeport, 9A5, ok. Non, c'est bon. Valable le 28 avril, on est le 24 avril. 79, ok, 28, il y a encore bon 4 jours. Date de d'expiration le 6 mai, 70 mai, avril, mai, ah ça va, le mois prochain. Date de naissance, elle est bonne. Akaristan, d'accord, voilà, hein, cargaison confirmée, il n'y a pas besoin. Ok, bah, je pense que je suis. Bon. Ah, pas terminé. Alors je crois que c'est du russe, hein, si je dis pas de bêtises, un truc comme ça. Ah, des fois il s'arrête pas, c'est ça. Ouais.
Il parle pas tout le temps, au bout d'un moment il se tait, je vous rassure. Alors. Alors, entre autres, tous ceux qui sont pas à Karistan, ils doivent avoir un permis spécial pour rentrer. Non, il est pas d'Akaristan, il est du royaume d'Erkei. Ok, en 79, c'est bon. Le mai, c'est parfait, c'est le mois d'après. Mais ok. Ok, bah, alors là, pas bon déjà. Pof, le numéro de passeport ne correspond pas. Qu'est-ce qu'on va voir d'autre? Son nom, est-ce qu'il est Nurtin Ibre, le nom non plus est pas bon. Ok, donc bah voilà, visite motif entrée. Et bah putain mon frère, désolé. Ok, alors je crois qu'il y avait une touche, non? Non, mais on s'en tape. Ok, on lui rend. Refusé, tu rentres pas. Mais non, pas bon. Bah oui, bah écoute, t'as qu'à avoir des papiers conformes, mec. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mais. D'abord, ça va être une bonne décision. Je me rends en plein milieu comme ça, il est obligé de s'arrêter le coco. Même s'ils s'en foutent. Allez, bonjour. Donne-moi les papiers, coco. Alors, c'est Gürgen, ok. Glonti, alors FL26, DP68, ok. Des rallyes unis. Alors, août, avril, mai, juin, juillet, août. C'est ça, non? Ouais, bah il est bon. Attends, 38? 1938? Attends, ouais, y a un problème de. Les dates, ça va pas là. 38, c'est pas. Attends, non, il est né en 38, je suis un fou, moi! Attends, c'est ça, il est important, 79. Novembre, ouais, c'est bon, c'est encore fin d'année. 31 mai 79, il va être encore bon. Bah sinon, non, c'est bon. J'ai pas. La photo, tu ressembles bien à lui? Oui, tu ressembles à lui. Parfait. Allez, dégage. On n'a pas encore la possibilité de fouiller les voitures, les gars, mais à un moment, on va commencer à pouvoir fouiller les voitures. Allez, vas-y, suivant, mon coco. On finit la journée. De toute façon, ils nous le disent, hein, quand on a fait une mauvaise inspection, ils te le disent direct. Ils se prennent pas la tête. Allez, vas-y, donne-moi les papiers, coco. On va pas faire des grands épisodes, peut-être des épisodes de 15 minutes, mais là on est encore dans la formation. Alors, Atola, Fa... Attends, ouais, problème de nom déjà, allez hop, vu. Qu'est-ce qu'il y a alors? Le numéro, c'est... Ok, ok. Attends, voilà, jusqu'en février. Janvier, février, mais c'est périmé aussi, la date d'expiration, elle est morte. Ok, après avril, ok, mais de toute façon on s'en fout, mais la photo... Ouais, la photo est pas bonne, on va dire. Allez. Toi, tu passes pas du tout mes frontières. Dégage. Ah, des fois, vous pouvez vous faire attaquer parce que vous avez pas fait rentrer le bon mec. Hein. Des fois, ils vous soudoient carrément. Ils vous disent, ça vous intéresse un peu d'argent, et je passe, tu vois. Donc, où t'as le choix de prendre de l'argent et laisser passer le gars. Quelques temps après, tu reçois de l'argent dans ta boîte aux lettres ou des trucs comme ça. Ou sinon, bah justement, ne faisant pas rentrer les bonnes personnes, ils vont vous attaquer. Donc ça y est, c'est l'heure d'aller se coucher. Hello Arkestan. Arkestan. Ah bah allez, on s'en fiche de ta vie. Tu parles trop, mec. Ouais, donc c'est ça le log que je vous parlais tout à l'heure. C'est pour vérifier direct en cliquant, tac tac, pour voir si les informations sont égales et correctes. Sauf que, bah non. Non, non. Parce que ça, ça coûte bah, de log. Et moi, je me prends pas la tête. Je me suis jamais pris la tête à utiliser cet outil-là. Ah, on a des trucs, tu vois. Alors, il parle beaucoup. Alors oui, comme il dit, il y a des informations sur le tableau, donc des règlements d'entrée, c'est-à-dire on est en temps de guerre avec eux, où il y a le Covid de ce côté-là, on ne laisse rentrer personne. Et après, au niveau des contrebandiers, ça va être... voilà.
Un de nos informateurs au sein du gang a obtenu de précieuses informations concernant une autre cargaison de contrebande. Âge du conducteur, 37 ans. Nous soupçonnons un chauffeur qui ne s'est pas arrêté pour l'inspection hier et va tenter de franchir la frontière. Numéro 11WA. Alors on a une voiture ou pas? Non, pas encore. Alors, ça c'est la formation les gars. Mais bon, je connais déjà le jeu, ça devrait le faire. Alors, ouais, WA, 11WA, faites-le partir du véhicule et fouillez la cabine, ouais, ok, sortez du véhicule, ouais, vous voyez en fait ici il y avait marqué 11WA, c'est la fin de sa plaque. Alors, on fait ça, ah voilà, le serpent. Voilà, entre autres, là, ça, je vous explique à vous, pour ceux qui connaissent pas le jeu, mais ceux qui connaissent le jeu, je vous apprends rien. Désolé, passez aux épisodes suivants où on sort de la formation, justement. Alors, entre autres, là où on va y avoir tous les petits logos du serpent, ça veut dire qu'il peut y avoir de la drogue ou de la contrebande cachée dans ces endroits-là, quoi. Ça peut être de tout en tout, quoi. Donc là, il va demander d'aller chercher un couteau pour aller ouvrir tout ça. Hein. Après, il y a un peu de tout. Et, ouais. Bingo, de la coke. C'est peut-être pas tout. On peut avoir le capot, ouais, ça peut être aussi le capot, les roues, les ailes, les pare-chocs, ça peut être de tout. Ah non, j'ai... Ah si, regardez, un peu de coke des fois. C'est caché dans le moteur, ouais. Ça arrive. Attends, j'ai pas fini moi. Je vérifie la totale. Bon. Vous pouvez arrêter ce bâtard maintenant. Oh là là, les gros mots. Puis je vais demander vos documents. Je lui aurais mis une amende perso. Aussi. Tant qu'à faire et gagner un peu d'argent. Et lui, il est en tôle. Voilà, et il y a un nombre de places exprès, on a peut-être 4 je crois au début. Ça, c'est une cabane dans les arbres. Alors, faire attention, parce que ces salauds ils peuvent... comment dire, si vous laissez des portes ouvertes, ils peuvent venir voler des trucs ou sortir leurs potes. Alors là, comment on fait... attends. Ils disent peut-être qu'un jour vous verrez permettre d'améliorer. Quoi, c'est pour améliorer le poste, vous voulez? Là, d'accord, il fallait appuyer sur la feuille, j'avais oublié. Donc, CTRL-CLIC, c'est pour y mettre ça direct à l'entrepôt. Voilà, c'est la cocaïne, et après... Et les caisses s'y mettent, hein. Vous voyez, elles sont là. On va changer l'UV. Elle est bien, la cheminée, hein. Il y a un tonneau qu'on a fait un trou dedans. Alors, la voiture, on va la demander de la déblayer, de la virer de là, je crois. Si je dis pas de bêtises, il faut aller voir le collègue là-bas, voilà. Il remet tout dans tout, ouais. Zone dégagée. Voilà, il prend un peu de temps, mais il fait son truc. Oui, on le sait. C'est... Alors ça... Blablabla. Il parle trop, ça me rend fou. Je vais vous faire des coupures, c'est pas possible, les gars. Ah, c'est bon, il a fini. Donc, le truc là, c'est une balance. C'est quand on veut prendre, par exemple, un poids de marchandises qui est non conforme, en fait. Ouais, pourquoi qu'il veut beau? Il veut que je fasse quoi? Ah ok, il veut que je prenne la hache et tout. Parce qu'on peut ouvrir des choses différentes ou plus facilement avec certains outils. Voilà, c'est pour ça. C'est pas pour attaquer, hein. Je me vois mal attaquer quelqu'un avec une hache. Alors, on va regarder maintenant l'âge du 37 ans. Voilà, on a un contrebandier qui peut avoir l'âge de 37 ans. Là, je vais me servir de ma calculatrice. Parce que je deux têtes, j'ai pas envie. Voilà. On va lui demander, hein, monsieur. Bonjour, je voudrais papy. Oui. La photo, ça va pas, mec, non? Y'a pas la moustache? Y'a pas la moustache? Ça va pas. La photo, ça va pas. Métis, Mélisse, le nom n'est pas bon. Allez, déjà. Le numéro de passeport. Ouais, le numéro de passeport, elle est pas bonne non plus. Plus le 28 février, ouais, c'est mort aussi, il y a rien qui rentre, rien dans les trucs quoi. Par contre il est né en
On est en 1960. Attends, on reste 79 moins. Alors, lui, il est né en 29. Il a 50 ans. Ça peut pas être notre gars, mais de toute façon, il rentre pas chez moi. Allez. Ouais, c'est tout. L'inspection terminée. Allez, dégage. Hop. Rien qui va dans ton truc. Ce n'est pas encore fini, tu vois. Ah, parce qu'après, il y a des représailles. Hein. Je préviens un peu tout le monde. Allez. Je trouve le jeu vraiment pas mal. Franchement, le jeu qui a été fait. C'est qu'on se dit au début, ouais, on est bloqué là-dedans, sauf qu'au final, on va améliorer tout ce qu'on va trouver, ce qu'on va aller dans la map, on va se balader un peu, parce que la map, elle est quand même un peu... Il y a de la map, quoi. Résultats d'info, elles étaient bonnes. Allez, monte voir tes papiers, on va regarder en premier lieu ta photo. Oh, ça, bon, la photo, elle correspond en plus. Il y a un Ruskov. Alors, non, ça, on s'en fout, c'est pas exactement ça que... Oh lolo, attends. Et c'est pas ça que je voulais faire, attendez, B, voilà, c'est ça. Moi, c'est le rapport d'inspection que je veux. Alors, Ganadi, ça c'est bon. Pavlovsky, c'est bon ça. Ouais, c'est bon, il est valable jusqu'en novembre, il est bon. D'expiration, oh, pareil, on est bon. Je vais ouvrir et demander de 79 moins, il est de 46. Il a 33 ans. Attends, peut-être ces questions, c'est juste pour être sûr, hein. On peut ouvrir le capot comme ça, vérifier. Hop. Au cas où, ça, 37 ans, on sait jamais. Ça peut ne pas être lui. Bon, bah écoute, il rentre dans mes faveurs, hein, monsieur. Tu payes ou tu rentres? Allez, zou. Oups, oh, j'ai oublié de lire. Ah non, ça a pas bougé, je crois qu'on était un autre jour, parce que des fois, t'oublies de lire parce qu'on a changé de jour. Alors on est à 15 minutes de vidéo, on va peut-être s'arrêter à 20-25 minutes finalement pour faire une vraie vidéo parce que sinon... Ah, Mister... toi t'es beau toi. Le commandiro, donne tes papiers. Hamza Dragoy. Ok, nom est bon, ok, R2 irait, ok, ok, ça c'est bon. 2 mai, c'est bon, 6 mai, ok, alors on va vérifier l'âge maintenant. Alors 79 moins, il est de 41, il a 38 ans, ça peut être notre gars les gars, ça peut très très bien être notre gars. Je vais lui demander de sortir quand même, parce que ça coûte rien. Ferme là, sait-on jamais là. Des fois il cache ça dans les filtres à huile et tout, hein. c'est des chauds les mecs. Il a 38 ans, c'est pas l'âge exact mais des fois ça peut ne pas être, en tout cas quand j'ai testé à l'époque. Ah, cigarette de contrebande, regardez. Hop là. T'as vu? Ah, dans la jante, ça tombe bien. Ferme-la, sinon je te mets un coup de ça. Ah, j'avoue, je sais pas trop faire. Ah oui, paf, paf. Impeccable, elles sont jolies tes clopes. Hein. J'ai bien fait de vérifier, pas vrai? Alors, tes fauteuils, qu'est-ce qu'on a? Le toit. À l'arrière. Ah, regarde comment c'est. Oh, la cigarette à mort. Il n'y a pas que ça. Hein. Ah non, il n'y en avait que ça. À l'arrière, on est ok. Ça peut être caché dans tous les sens. C'est ça que j'aime dans ce jeu. C'est vraiment le. T'en as pas mis là? C'est bien. Gentil. Mon devoir, pousse-toi parce que là, la jante, c'est pas comme si t'étais devant. Le pare-choc arrière. Ok. Le coffre. Oh, ok. Ça, c'est good. La jante là, on est ok. Celle-ci, on est ok. Ok, ok, ok. Bah écoutez, c'est bon les gars, hein. J'ai vérifié, il y avait des clopes un peu partout. Allez, mister. Ah bah oui, bah fallait y penser avant. Quand t'as un agent de contrebande, anti-contrebande comme Bibi. Criminel arrêté. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais caler la drogue là-dedans. Parce que, regardez, les cartons qui vont se mettre. Ah! Ah non, c'est contrôle. J'ai brouillé. Oh, ok. Je me suis embrouillé. Et on améliore ici le poste avec ça. Hein. C'est avec cet ordinateur qu'on va... Pas encore disponible parce qu'on est en formation, très cher. Alors, on va... Viens-moi la voiture, là. Machkovkov, je crois. Comment tu t'appelles? J'ai oublié son nom, lui. Maximov. Allez, dégage-moi la zone. Foule à la caisse, sa poubelle. Merci, Maximov. C'est bon, c'est fini la journée. Félicitations. Hop.
La petite caravane, on peut l'améliorer en maison ou non, je l'ai fait. J'ai quand même pas mal. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'on est vraiment sans fin. On va pouvoir avoir le temps de tout améliorer et de se poser les bonnes questions, n'est-il pas? On peut se faire attaquer pendant la nuit, hein. Ça, vous allez voir. Pour les gens qui ne connaissent pas le jeu, évidemment. Désolé pour ceux qui connaissent. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le camion et on va le déplacer là-bas pour que les... Ah non, si, c'est ça. Visiter le magasin de Vlad dans le chemin pour acheter... Salle des gardes pour transporter, voilà, c'est tout. Ok. Alors, on a... Il peut pas la fermer, celui-là. Oui, alors, c'est un stocké pour un véhicule de police, oui, je le sais. Et on peut modifier, on peut avoir 3 véhicules au total. Hein. On a même le fourgon blindé, je l'ai eu. Alors, démarrer, c'est où? J'ai oublié, il y a G, mais je crois qu'on pouvait appuyer directement sur... Ah, mais nickel, ça. Alors, la sirène, il te dit pas le truc, c'est à toi de la mettre. Je me souviens plus. On peut démarrer, hein, je crois que le bouton, je dis pas de bêtises. C'est le coup, les plus cool dans ce jeu, hein, je crois. Bah, je crois pas, finalement. Bah, on va démarrer avec... Ah, il démarre pas le moteur. Après, tu fais quoi pour l'utiliser? Parce que j'ai oublié. Il y a même une boîte à gants, je sais pas quoi... Ferme là. Elle sert... Alors là, on peut vérifier ce genre d'endroit quand on a de la coque, hein. Et ouvre un peu tout, hein, je dirais. Alors là, j'arrive pas à démarrer. Je sais pas démarrer la voiture, j'ai oublié. Alors ils disent d'abord, ils veulent d'abord que j'aille là-bas. C'est pour ça que je peux pas la démarrer, d'accord. Ok, en fait, ils voulaient que voilà, c'est pas grave. Moi, en général, je rapproche la voiture là et je déstocke tout à côté. Allez. Ferme là. Ah, c'est vrai qu'on peut les TP comme ça. Mais la contrebande maintenant rassembler un véhicule de police. Voilà, tu vois, de toute façon, fallait le ramener. Ah, c'est pas grave. Alors je... Ah oui, déplacer là. Ah oui, en fait, il veut que je le fasse à la main, ces salauds. Avec mon inventaire propre, en fait. Et, regardez, il n'y a pas beaucoup de place, hein, quand même. Voilà. Moi, je veux... C'est pour ça que quand j'attends d'être presque blindé, si vous voulez, et après, je déstocke tout. Ça veut dire que je suis obligé de faire comme ça. Oui, mais j'aime bien, moi, ça... je trouve que ça fait plus RP, parce que je me vois mal mettre autant de trucs dans mes poches que dans mon sac, tu vois. Donc c'est pour ça que je ramène un peu le camion à côté. Allez, ils ont vu un peu le passage ici parce qu'avant on pouvait pas trop bien passer. À moins que ce soit pas forcément très nouveau. Voilà, ça on va hop, inspecter. Alors on a une hache dans le coffre. Et on peut voir les gogos. Hein. Ah, les gogos ils sont là. Ça va les gars? Vous êtes bien? Alors là-dedans on a une capacité de 4 je crois. Il y en a un après le fourgon est de 6 je crois. Il faut que j'aille là-bas. Donc ouais, je connais le chemin, c'est à droite et tout droit après. Ça c'est bon, mais alors, allez, démarrer, ça y est. Alors maintenant, on va mettre la musique quand même. Il n'y a pas de clignotant. Il y a plusieurs caméras. Ah, on va pas casser. Ah, parce que vous pouvez casser les véhicules. J'ai oublié de vous le dire. Alors, vous avez la caméra extérieure, évidemment. Qui est pas forcément très utile, je trouve. Ça fait. J'aime pas. J'aime bien voir l'intérieur. Surtout pour les courses-poursuites, en fait. Mmh. Sûrement, effectivement. Alors, on va mettre H. Alors, je crois que là. Ah, ouais. Normalement, vu qu'on. On peut se faire attaquer aussi, c'est ça qui est bien pour les gens. Oh, voilà, c'est ça que je disais. Ah oui, on est aussi bûcheron, hein, j'ai oublié de vous le dire. Ça peut arriver. Oula.
En fait, ça peut arriver qu'on ait comme ça des attaques, en fait, qu'on se fasse allumer de tous les sens parce qu'on ramène des prisonniers ou de la contrebande. Et vous pouvez vous faire tuer, hein. C'est ça que je dis, c'est que le jeu, vous n'êtes pas en sécu, vous êtes bien dans un jeu de simulation, mais dans un jeu de simulation qui pousse, hein, quand même. Vous vous ennuyez jamais, vous avez toujours des petits trucs à faire. Dans la campagne, pour le jeu, les gens qui n'ont peut-être pas fait la campagne ou qui n'ont pas fait le jeu tout simplement, elle est très bien la campagne, hein. Vous avez pas mal de choses. Franchement, vous pouvez filer des gens, des fois vous êtes avec votre véhicule banalisé en train de suivre les gens, c'est terrible. Pour les enquêtes et tout, c'est terrible. Alors là, on va arriver dans la mine, si on veut, prison mine. Alors le camp de le camp de travail. Ouais, tiens, je te laisse tout. Et ça nous donne de l'argent, c'est comme ça qu'on se paye, je sais pas en fait. Alors, je vois que dalle prendre. Ah, c'est bon. Oh putain. Redis. Poliscar. Alors, ça a l'air très très bien quand même. Alors, on n'a pas d'essence à mettre ou ce genre de choses là. Par contre, on a le reste. Alors là, je crois qu'il veut que je vais à la boutique de Vlad. La boutique de Vlad, elle se trouve pas très loin. Alors, par contre, je crois que pour ça, il faut lâcher. Ah non, on avait la possibilité de. Ok. La boutique de Vlad, donc c'est droite. Et puis gauche au bout, ok, d'accord. Droite puis gauche au bout, quoi. Parce que pas la première à gauche. Ah mais je la connais au bout d'un moment la map, tu la connais. Ça a force ça. Alors le véhicule est pas très rapide. Donc voilà. Mais ce qui est bien c'est que dans les marchandises aussi, vous devez vérifier tout ce qui a à voir avec la marchandise. Si ça c'est autorisé dans le pays, avoir un tel nombre, faut que ce soit inscrit exactement bon comme il faut. En fait vous vous retrouvez vraiment dans un travail de contrebandier en fait. Hop, attendez, ouais, je suis obligé de doubler. Parce que, tu roules pas. Alors, on peut vraiment casser la voiture et après, il faut demander au mécano de la police qui fasse son taf, quoi. Laisse passer là, Coco. Merci, c'est gentil, j'ai de la contrebande. Oh lolo. Alors, là, c'est, après, c'est gauche. Il est là-bas, Vladou. Et là, on est dans la forest. Ouais, c'est vraiment une petite map, mais qui vaut vraiment le coup. Ce jeu, pour le prix qu'il vaut, ça vaut le coup. Franchement, le jeu, il a été bien travaillé. Ils ont pensé à peu près à tout. Ah ouais, bien fait. Hein. Ça fait du bien de revenir là-dedans. Et on va voir Vladou. Vladimir mange de la nougatine. Alors, maintenant, il va demander d'acheter une arme, je pense. Je crois que c'est ça, hein. Il veut que j'achète quoi. Objectif, je sais pas c'est quoi. On n'a pas d'objectif, hein, proprement parler. Hein. Ils veulent que j'aille à la boutique. Je vais acheter un gun de toute façon parce qu'on en a besoin. On va acheter ça. Un autre chargeur. Voilà. Et là, on doit aller remettre la contrebande au truc de police. Oups, mauvaise touche. Hop. Alors, eux sont pas très loin normalement. Alors là, faudrait que je fasse demi-tour et puis ensuite au bout à gauche. Alors je vois absolument rien, je crois qu'il y a un arbre. Voilà, je viens de le toucher. C'est pas grave. Alors là, je mets un petit peu de temps à récupérer un peu ce que j'avais sur la map. Mais voilà. Hein. Au bout d'un moment, on reconnaîtra un peu tout et puis ça va être vite fait, bien fait. Pour les gens qui connaissent ce jeu, j'espère que ça vous aura plu ce jeu-là parce que là, moi, ça m'a beaucoup plu quand même. Les scènes d'action sont vraiment sympathiques. Quand on se fait attaquer à gauche à droite, quand on doit filer les gens, mais je sais pas si dans ce mode là, on va devoir le faire. Regardez par exemple là, c'est pas une église, mais c'est un cimetière, voilà, à un moment on vient ici, et on vient pour filer quelqu'un, et au final on se fait attaquer, on se fait tirer comme des lapins, et nous on tue tout le monde, enfin on doit tuer justement les gens et récupérer, enfin on peut looter, c'est ça qui est bien quand même, on peut looter des armes et des munitions, enfin je sais plus si c'est bien pour les armes, mais les munitions oui. Je crois que c'est que les munitions qu'on peut looter, pas les armes. Enfin, à moins que ce soit changé depuis la mise à jour qu'ils ont faite. Parce qu'il y a eu de nombreuses mises à jour, de nombreuses améliorations, puis enfin la sortie au final du jeu, je crois. Alors, il y a un nouveau mode qui va sortir, ça va être le mode défi, mais c'est pas pour tout de suite. Attention, sinon je t'écrase. А я позмышлял возникова навоевать Вазиду. Уварсна работца. Вас похитили от дрожной контрабанды. А вы первшели эс машину, ач поварсницкая, контроль гондры.
Et voilà. On va se laisser là pour cet épisode-là parce que ça commence à faire long, 29 minutes quand même. Pour un épisode, c'est beaucoup. Alors les gens, j'espère que ça vous aura plu. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, etc. la vidéo. Aussi de commenter pour savoir ce que vous en pensez du jeu, parce que c'est un très bon jeu qui ne vaut pas grand-chose sur Steam. Ça fait un bail que je l'ai, comme je l'ai dit, depuis sa sortie même. Et puis je trouve que c'est un très bon jeu. Et puis en plus, vu qu'il y a un nouveau mode, donc je me dis pourquoi pas vous le sortir un petit gameplay, peut-être une petite saison dessus pour voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas, c'était Joe. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. A plus. This could be us. So back to what I was saying. This could be us.